ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد دابتود <applause> لسامدي

Et une des raisons pour laquelle j'ai voulu le faire aujourd'hui, eh c'est parce qu'on a des visiteurs aujourd'hui. Je me suis dit qu'il était peut-être... Euh, qui vient de l'étranger. Je me suis dit peut-être qu'il était euh, un bon choix de faire quelque chose de différent, et de faire quelque chose eh, qui peut euh, nous bénéficier à tous et qui est un rappel à nous tous. al c'est un cours qui à la base a été fait par Sheikh Abdel Jabiri par le téléphone pour les frères du Qatar. في هذه السلسلة التي اللقاءات السلفية القطرية اللقاءات سلفية يعني القطرية وذلك الشيخ عبيد الجابري حفظه الله ويبدأ بسرعة بسرعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Donc, Cheikh Oubayd al-Jabiri, il commence son titre, son livre, son, son, son cours, pardon, qui a pour titre « Crains Allah où que tu sois, et taqillah haythu ma Et vous devinez évidemment que c'est l'explication du quoi Du fameux hadith, hein ?« Et taqillah haythu ma kont » Jusqu'à la, suite du, jusqu la fin du hadith. Il commence son cours, hafidahullah ta'ala, en disant « Toutes les louanges à Allah ». C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, c'est-à-dire l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin et c'est la traduction du sens de surat al-Fath, verset 28. Chir, il dit, et j'atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité que Allah, de manière exclusive, sans lui donner d'associé. Et j'atteste que Mohamed, et son serviteur, et son messager, Que la prière de salut d'Allah soit sur lui ainsi que ses proches et ses إلدي: أما بعد فمعاشر من يستمع إلينا من خلال اللقاءات القطرية السلفية، أرحب بكم هذه الليلة. وأتحدث إليكم حديثاً أسأل الله أن ينفعني وإياكم به. وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل بها Donc Cheikh Oubel Jabiri Allah, il dit Oh vous qui écoutez, qui nous écoutez via ces rencontres salafis Qatariot c'est-à-dire hein, du pays du Qatar Il dit je vous souhaite ce soir la bienvenue Et la date du cours c'est le mardi soir le 15 Jumad al-Ula en 1432 De légir. Il dit je vous parle au sujet d'un hadith donc je demande à Allah qu'il nous fasse en bénéficier ainsi qu'à vous. Et il dit ce hadith fait partie de ce qu'on appelle Jawami al kalim hein, qu'on peut traduire par des paroles génériques qui ont été données au messager d'Allah, et par lesquelles il a été favorisé. Et ce hadith a été rapporté par Mu'av et par Abu Dhar, hein, Anhuma car ils agréent tous deux. Qala, واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذه ثلاثة أوامر من أكم السلام من تأملها بفطنة وتدبر وجميل انقياد ظهر له أنها تحصل للعبد الدعوة إلى حق الله والدعوة إلى حق النفس والدعوة إلى حق عباد الله Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, crains Allah où que tu sois, c'est évidemment la traduction du sens du hadith, et fais euh, suivre le péché par une bonne action qui l'efface. et comporte-toi envers les gens d'un bon comportement. Vous, 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 vous cernez déjà bien qu'il y a quoi Trois ordres. Comme il va dire le chéri ici, il dit... Ce sont donc trois ordres. Crain Allah, Ittaqi Allah, Haitoumakunth. Ou Atbiyi. Asseyyi Eta, Al-Hassanata Tamhoua. Il y a un deuxième ordre ici, un deuxième verbe impératif. Le premier c'est Ittaqi. Le deuxième c'est Atbiyi. Et le troisième c'est Ou Wa Ou Khaliki Nasa, Bikulukin Hassan. Le hadith est rapporté par at Tirmidhi, dans Sunan, volume 4, page 355. Avec. La correction de Ahmed Shakir, le grand savant muhaddith égyptien, et Sunan Darimi, volume 3, page 1837. el Abed il dit, ce sont donc trois ordres Thalatatu Awamir, qui est le pluriel amr »« Celui qui les médite en étant éveillé et en y réfléchissant, et en se soumettant d'une belle manière, il lui apparaîtra qu'elles sont pour le serviteur un appel au droit d'Allah. Et c'est ça le début du hadith Hein وأتبع un الحسنة تتمحوها droit de Et appel droit gens, serviteurs d'Allah وخالق الناس بخلق حسن شيخ الدي حفظه الله الامر الاول او بلوتو سي الوصيه الاولى اتق الله حيث ما كنت Pour les frères qui, je ne sais pas si, parce qu'on a envoyé des messages pour donner le titre du, du cours aujourd'hui, s'ils ont la feuille, ici il manque ma. Hein Il taqilla haïtho ma kunt. Ou al maana, lazim ayyuan muslim, taqwa Allah. Haïtho kanat wujhatuka. Fi ayyi makan yin wa zaman. Fi ayyi zaman yin wa makan. Lazim taqwa Allah. Ou ala buddha hahuna, hiya la taqwa, men bayani omur. Donc, chérab el-jabiri nous dit le premier ordre, la première wassiya. Première recommandation à caractère obligatoire, si vous voulez, c'est quoi Eh bien, c'est craindre Allah ou que tu sois. Le sens de cela est soit attaché aux musulmans, la crainte d'Allah. Maintenant, il y a peut des gens qui vont dire oh, Mais c'est quoi la crainte d'Allah On va le faire, Inch'Allah. Le Cheikh il va donner la définition linguistique, la définition dans le jargon des ulama, etc. Comme à son habitude, Hafidahullah. il dit. Et la, euh, la crainte d'Allah, où, où que soit ta direction, à tout moment et à tout Ton droit Attache-toi à craindre Allah. Et il est obligatoire ici à l'égard de la tawa'at de mettre en évidence certaines choses. Il dit le shir. Il dit la première, al-amr al-awal fi ma'nat lughatan, wa hiya min al-tawwqi'i wa ati'ad al-mar'i wa qaya'tan yattaqi biha ma yakrahu wa yahzar. ومنه اتقاء شدة البرد والملابس عفوا بالملابس المتينة واتقاء شدة الحر بما يستدعيه الحال من لبس الحذاء الواقي وطلب الظل إلى غير ذلك مما يجعله يتقي هذا الحر الشديد اتقاء كاملا أو بعضا والمقصود أنه أعني المرء يجتهد في أن لا يضره شدة الحر وشدة البرد Donc il dit, le premier, la première ici, dans le sens de la taqwa, en ce qui concerne le sens de la taqwa, eh c'est le sens linguistique de la taqwa. C'est-à-dire quoi Dans la langue arabe, qu'est-ce que veut dire le mot taqwa Et d'où vient le mot taqwa C'est-à-dire qu'on fait, fait une étymologie du mot taqwa. Dans la langue arabe, bien sûr. Elle vient de at Et c'est que l'individu prenne une protection qui le protège. De ce qu'il déteste et de ce dont il craint, de ce dont il est sur ses gardes. En fait partie le fait de se protéger du grand froid <coughs> en mettant des habits épais et de se protéger de la chaleur en s'habillant de ce que la situation requiert en termes de chaussures protectrices et de chercher l'ombre et d'autres choses encore hein, parmi les choses par lesquelles on se protège de la grande chaleur d'une protection complète ou partielle. Ce qui est voulu ici, c'est que l'individu fait des efforts pour que ne lui, pas, lui, le, ne lui nuise pas la grande chaleur ni le grand froid. Ni le grand froid. Cheikh, maintenant, après avoir apporté le sens, le ma'na l'uraoui, de taqwa, il rapporte quoi Al ma'na shar'i. C'est-à-dire quoi le sens Le sens دون لا ليستيسيون اسلاميك دو مو تقوى ايديكوا حفظه الله تعالى واما معنى التقوى في الشرع عليكم السلام ففيه عبارتان احداهما هو التحرز بطاعه الله من معصيته التي هي سبيل عقابه سا سي لا عباره جلا غبيت لا التقوى سيكون دي العباره الاولى سي التحرز بطاعة الله التحرز بطاعة الله من معصيته معصيته التي كو هي سبيل عقابه ان شاء الله والعبارة الثانية وهي اجمع منها هي عبارة طلق بن حبيب رحمه الله كاين ديفينيسيون للمشايخ c'est la définition de taqwa de Talq ibn Habib et pour les frères qui étaient pas là au début d'habitude on fait le cours de Cheikh Bezmoul sur sifat salat parce qu'on a des visiteurs aujourd'hui et euh, que on voulait faire un rappel j'ai décidé de faire un cours qui est le hadith qui est ittaqilla haythu ma kunt", de Cheikh Ubayd jabiri ta'ala qu'est-ce qu'il a dit Talq ibn Habib rahimahullah sur la Taqwa il a dit la Taqwa en ta min ta'ati Allah ala min Allah donc qu'est-ce qu'on a dit ici pour les deux ibarats, les deux formules que le cher a apportées concernant le sens, euh, le sens de la taqwa dans le jargon des ulamas. c'est-à-dire dans, dans le jargon de la législation islamique, le vocabulaire de la législation islamique. Qu'est-ce que veut dire la taqwa on a vu qu'il y a un sens linguistique, on a vu c'est le fait de se protéger, du mot tawakki, etc. Hein? Et maintenant on voit quoi le sens dans la religion Qu'est-ce que ça veut dire taqwa Parce que le prophète Ali salam nous dit Donc on doit savoir c'est quoi la taqwa Il dit en ce qui concerne le sens de la taqwa dans le vocabulaire de la islamique Il y a deux formules à ce sujet La première, c'est ce qu'on dit taharrouz c'est de se mettre à l'abri de la désobéissance à Allah. Qui est la voie vers quoi Vers son châtiment. La désobéissance à Allah, c'est la voie vers son châtiment. Hum Et bien comment En obéissant à Allah. Donc je répète c'est de se mettre à l'abri. De la désobéissance à Allah, qui est la voie vers son châtiment en obéissant à Allah. Une deuxième formule qui est très très connue, souvent dans les cours, Cheikh al-Razak badr qui est enseignant à la mosquée du prophète, d'autres choses, etc. Quand il rapporte la définition de taqwa, il rapporte souvent ce Atharda, de Habib. Cette définition de Talq ibn Habib, Il a dit la taqwa, Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit la taqwa, c'est que tu œuvres en obéissant à Allah. En la comme il a dit. al nur min Allah. Ici, on pourrait traduire ça par lumière, mais je de rizak, dit le sens du mot ici, c'est quoi al la science, hein? ahsand. C'est-à-dire quoi C'est que tu œuvres en obéissant à Allah avec une science venant d'Allah cest que tu ne fais pas la Hein? Pourquoi? C'est quoi la raison? En espérant la récompense d'Allah. Mais ce n'est pas fini, il n'y a pas que ça. C'est quoi là, sur la définition? Et que tu délaisses la désobéissance à Allah. Ou la désobéissance La désobéissance à Allah. La désobéissance à Allah. Avec une science venant d'Allah. Pourquoi Comme on a dit car au début on avait dit parce que tu espères et maintenant on dit quoi Parce que tu crains le châtiment d'Allah. C'est ça La taqwa. Sheikh il continue. hein En arabe. En arabe, un ta min ta'atillah ala nurin min Allah thawab wa an tatruka Allah. على نور من الله تخشى عقاب الله دي فو تخوي دي بتيت ديفيرون دالي فورمولاسيون مي سي لو سونس لو ميم ها فهذا المعنى ينبهك ايها الناصح لنفسه والحازم في امره الى ان غايه التقوى هي الفقه في دين الله حتى يعلم المرء ما هو الحلال ما هو حلال فيحله وهو حرام فيحرمه وإن شئت فقل حتى يعلم على بصيرة ما هو محبوب لله سبحانه وتعالى ومرضيا له فيعمله استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وطلبا للقربة والزلفى عند الله عز وجل وكذلك يعلم علم فقه وبصيرة ما هو من مغاضب الله سبحانه وتعالى ومساخطه فيتجنبه ويبتعد منه امتثالا وتقربا الى الله سبحانه وتعالى دونك ايش كون دي سي ايت صرصك الشير regardez le fiq d ulama le cheikh il rapporte un hadith il dit ce sens. attire ton attention. Oh, toi qui veux le bien pour toi-même et qui résolue dans ton affaire. Sur quoi Sur le fait que la taqwa, c'est de connaître la religion d'Allah. Regardez ce qu'on a dit avant. Il a dit quoi al Allah cest C'est-à-dire sur une science venant d'Allah. Afin que l'individu sache ce qui est licite, afin qu'il le rende licite, et ce qui est illicite, afin qu'il le rende... Illicite. Et si tu veux, tu peux dire, afin qu'il sache avec clairvoyance ce qui est aimé par Allah et est agréé par Allah. Hein, ce dont Allah est satisfait. Et que donc il le fasse en réponse à Allah. Et à son messager, alayhi salatu wassalam. Hein? et en application et en cherchant à être proche d'Allah et rapproché d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et qu'ils sachent et comprennent avec clairvoyance ce qui amène la colère d'Allah afin de s'en écarter en mise en application et en cherchant comme on a dit à quoi à être proche d'Allah Subhanahu wa ألوغ شيخ يرابوخت إلدي مراتب التقوى. لي دوكغي دولا تقوى، الله عز وجل. الأمر الثالث في مراتب التقوى. حاصل ما دل عليه الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح أن مراتب التقوى ثلاث. إحداها إحداها فعل المأمورات. فعل المأمورات. والثانية ترك المحظورات. ترك المحظورات ويقال المحظورات بالضاد ها أه؟ وهي المحرمات والمنكرات محظورات ستادير ليترالمون لي شوز سور ليكيل تو اي سور تي غارد ها داكور اي تو سي المحظورات ها فو كونيسي ليكسبرسيون اغب اتونسيون ها وهي المحرمات والمنكرات سي المحظورات والثالثة اتقاء الشبهات التي ألبس على المرء حالها فلم يستبل له أهي من الحلال أو الحرام يقضي سا الله ديجا بور لي فخاخ كي كونيس الأربع النووية كي كونتي في بالحديث سادو لو حديث هم سي كوا حديث نعمان بن بشير أحسنتم ها Vous voyez ici, regardez, Fi'al-Ma'mourat, Tark al-Mahdourat, et quoi L'étikha'a au shubuhat. C'est pas ça le hadith de Naaman al-Mashir hein est le halala. Regardez, le shir il va le citer d'ailleurs. Incha'Allah. Ou le l'a cité et on va le traduire, Incha'Allah. On traduit déjà ça en, en premier lieu. La troisième chose concerne les degrés de la taqwa. Ce qui est indiqué par le Coran et la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est que la taqwa a trois degrés. Le premier, eh c'est la mise en application des ordres. Le deuxième, c'est quoi le contraire Le délaissement des interdits. Al-mahdourat, ou bien si vous voulez, Al-mahdourat, bi-dhal. Une fois avec dhal, une fois avec dhad. Hein Et c'est quoi mahdourat, comme on a dit Al-muharramat ou al munkarat Ce sont les interdits les, les turpitudes. Le troisième degré après le... la mise en application des ordres, le délaissement des interdits, c'est quoi Eh bien, c'est se préserver des choses ambiguës, dont l'individu ne voit pas si elles sont licites ou illicites. Mais on va voir dans un instant dans le hadith de ibn Ibnul Qu'est-ce qu'il dit hein quand il a fait la conférence, pendant le ramadan passé, il avait fait l'arbaïnaouïa, le début. Il avait dit quoi Que c'est un délit qu'il faut revenir aux savants. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ignore ça. Les savants, ils savent. Et Cheikh al j'ai été vérifié aujourd'hui dans Shir al il dit ils connaissent. Ils connaissent le mushtabihat, ils connaissent le mutashabi, ils connaissent hein que les gens ne connaissent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir à eux dans ces choses-là. On a dit se préserver des choses ambiguës dont l'individu ne voit pas si elles sont licites ou illicites. c'est le troisième degré. On a parlé de ce qu'est l'individu qui voit pas. Une indication de ces trois degrés se trouve dans le hadith de naman ibn Bashir. Et on va lire ça, Inch'Allah. Ou qadjat hadith maratib isharatan fi hadith an-Na'man ibn Bashir, radiallahu anhuma. Ou mukharrajun fi sahihaini. An-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, parle. ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فقوله صلى الله عليه وسلم regardez le cheikh comment il va quoi il va mettre les degrés de ابيك ماذا؟ الحديث النعمري بن بشير، يبا إيه مونتخي ست انديكاسيون. يدي إن الحلال بَيِّنُونَ سِكْوا. فعل المأمورات. وإن الحرام بَيِّنُونَ دوك شاهد، شاهد، فعل المأمورات. إن الحرام بَيِّنُونَ سِكْوا. ان شاهد لترك المحظورات وتجنبها. وتجنبها بها وقوله وبينهما الى اخر الحديث سكوا بيان سي تخوازيام دوغري الى اخره سي تحذير من الشبهات التي من قارفها ولم يتجنبها وقع في الحرام دونك كيس كون ادي ici Une indication de ces trois degrés qu'on a cité de la taqwa ici. Eh bien, il se trouve dans le hadith d'Ibn ibn Bashir, car il les tous deux, qui se trouvent dans les deux authentiques d'après le prophète qui l'a dit. Le licite est certes clair. Et l'illicite est certes clair. Et entre eux deux, c'est-à-dire entre le licite et l'illicite, il y a des choses ambiguës qui ne sont pas connues par beaucoup de gens. Celui donc qui se préserve des ambiguïtés, faqad istabra'a li wa il dit, c'est-à-dire qu'il aura gardé, préservé sa religion pure en s'éloignant de prendre ce qui est illicite. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi Eh bien parce qu'il aura gardé aussi son honneur pur en s'éloignant de ce qui peut faire parler les gens sur lui. C'est ça que ça veut dire. Et celui qui tombe dans les, ambigu les ambiguïtés, eh bien, quoi Et qui ne s'en écarte pas, mais qu'est-ce qu'on a dit Eh bien, il sera tombé dans l'illicite. al au rabi, quatrième point. Le cours est assez court aujourd'hui, donc on n'a pas encore beaucoup, on va terminer. L'amour au rabi, « Mal Allah subhanahu wa ta'ala amra bi khitabi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سورة الأحزاب وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر النفس ما قدمت لغد واتقوا الله إلى آخر الآية من سورة الحشر إلى غير ذلك من الآيات وطارة بخطاب الناس ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا سوره النساء سي الفيرسي كجي لي ديبي دون سوره دون خطبه الحاجه فما المراد بهذه التقوى التي جاءت مامورا بها فيما لا يحصى من اي التنزيل الكريم اون فا سارتي لا اون تراجي سلا ان شاء الله دونك يدي لا كاتريم شوز سي كوا كيس كي فولو انتوندي بار لا تقوى ici جدي سي دير شي عبيد الجبيري حفظه الله الله ا ريبيتي L'ordre à ses serviteurs de le craindre la taqwa. Parfois en adressant la parole aux gens de foi. Ya amanu. La traduction du sens de la parole d'Allah dit Oh vous qui croyez, craignez Allah! Ya amanu, et parlez avec droiture. sur al ahzab verset 70. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, ⁇ Oh, vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. ⁇ C'est ça, Echoua. Alors, on ne va pas rester éternellement ici. On a tous une fin quand Allah va C'est pour ça, il faut ce qu'on appelait Z, la provision. Et craignez Allah car elle est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat Al-Hashr, verset 18. Et d'autres versets encore. Et parfois en s'adressant aux gens. Ya Hein Aux hommes avec un grand H. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous euh, vous implorez les uns les autres et, craigne, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement, et c'est sur Nisa, verset 10. Cher il va poser une question il va répondre lui-même, Inch'Allah. Qu'est-ce qui est voulu donc par cette taqwa au sujet duquel on a reçu l'ordre dans des versets que l'on ne peut dénombrer du noble, du noble Coran فمتنان كيما غاب هذا سؤال جدير بالاجابه. ها؟ سي سن... ان كيستيون كي مغد. على كلام مغ... كي ميريت كون ها؟ بين شيخ اللي حفظه الله تعالى. يدي التقوى هي عباده الله وحده واخلاص الدين له وانه سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال تعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم سي ان اتقوا الله الايه سوره النساء فالايه فيها صراحه ان هذه الامه ومن سبقها من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى كلهم موصون بتقوى الله شيخ question qui était qu'est-ce كيس كي voulu donc par cette تقوى dont on a reçu Eh bien, la taqwa, c'est d'adorer Allah de manière exclusive, de lui vouer une adoration sincère, pure, et qu'il est celui qui est, qui est adoré avec vérité, et nul n'est adoré avec vérité à part lui, subhanahu wa ta'ala. La traduction du sens de la parole d'Allah dit Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. sourate nisa Verset 131. Le verset est explicite sur le fait que cette communauté et ceux qui l'ont précédé parmi les gens du livre, qui sont les juifs et les chrétiens, tous ont été commandés, on leur a été commandé de quoi hein De craindre Allah, la taqwa. Ceci est général, il dit hein

أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سورة الأنبياء فهاتان الآيتان وما في معناهما من أي التنزيل الكريم هو أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر دليل على أن أصل الدين الإسلام وأساسه أمران شيخ يلدي حفظه الله تعالى Ceci est général. Le détail en est fait dans d'autres versets parmi eux. La traduction du sens de la parole d'Allah dit Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire Adorez Allah et écartez-vous du route. Surat al-Nahl, verset 36. Et la traduction de la parole d'Allah dit Et nous n'avons env envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé Point de divinité, en dehors de moi, adorez-moi donc. Surat al verset 25. Ces deux versets, ainsi que les autres versets du noble Coran, qui ont le même sens, plus connus que pour être cités et plus nombreux que pour être dénombrés, sont des versets que le, que, euh, que le fondement de la religion de l'islam et sa base sont deux choses. La première, الأمر الأول هو الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه والثاني هو الإنذار من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه والتكفير من فعله هذا هو ما اتفق عليه النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين ومن أجله أقيم الجهاد ورفعت رايته واقيم سوق الجنة والنار فكان الناس فريقا في الجنة وفريقا في السعير فمن استجاب لله ولرسوله عليهم الصلاة والسلام فهو من اهل الجنة ومن استنكف عن ذلك وأخذته العزة بالإثم ولم يستجب لله ولا لرسله Fada wa il dit ta'ala? Il dit. La religion de l'islam et sa base sont deux choses. La première, l'ordre de vous, une adoration exclusive à Allah. Et d'y inciter et d'aimer en cela, et de juger mes créants, celui qui la délaisse. Le deuxième. La mise en garde contre l'association dans l'adoration d'Allah est d'être dur à ce sujet, et de détester pour cela, et de juger mécréant celui qui la commet. Ceci est sur quoi étaient d'accord tous les prophètes et les messagers. à tous salams. Depuis Noé, Noé est le premier d'entre eux, hein, le premier des messagers, jusqu'à Muhammad, le sceau des messagers. à tous salam. Et c'est pour cela que le jihad a été légiféré. Ce n'est pas le jihad de Khawarij, hein? Le Jihad de has sunnab Dawawa Et que son drapeau a été levé. L'enfer et le paradis. Les gens sont un groupe au paradis et un groupe en enfer. Celui qui aura répondu à Allah, à l'appel d'Allah et de ses messagers, alay fait partie des gens du paradis. Et celui qui refuse cela, hein et que l'orgueil criminel sont part de lui, اخذت العزة بالإثم. إلى نغيبون با لقال دالله، ني دي عليه الصلاة والسلام، إي بيان سولو لا في باغتي دي جون عياذا بالله من ذلك. شيخ غلدي حفظه الله. وبهذا يجب على دعاة الحق والبصيرة الاهتمام بأمر التوحيد وحض الناس عليه. وأن الله لا يقبل عبادة دونه وأنه هو السبيل الأعظم لدخول الجنة والتحذير من, الشر من الشرك وأنه محبط للعمل فلا يقبل الله عملا مع الشرك أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي رواية, وفي رواية الترمذي فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك الحديث يقول الشرح بلي كومبلي نوكوا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ دي كوا س... concernant ce passage c'est pour cela qu'il est obligatoire aux prêcheurs qui appellent à la vérité avec clairvoyance De donner de l'importance au Tawhid, à l'unicité, et d'y inciter les gens, et qu'Allah n'accepte pas l'adoration d'autre que lui, et que c'est la voie la plus importante qui fait entrer au paradis, et de mettre en garde contre l'association, et sur le fait qu'elle annule toutes les actions, car Allah n'accepte aucune action avec du shirk. Muslim, l'imam Muslim a rapporté. D'après un hadith d'Abu le prophète qui l'a dit, hein? Quoi Qu'Allah a dit Je suis celui qui se passe le plus aisément d'associés. Quiconque partage l'adoration entre moi et un autre sera délaissé par moi. Lui et son association. Et dans la version de l'imam Termidi, je me désolidarise de lui. من ذلك لا يوجد وما من داعيه حق وَبَصِيرَ الى وهذا ديدنه في الدعوه الى الله غير عابئ بمن خالفه لموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك وما احسن ما قاله الفضل بن عياض رحمه الله ها هذه نقوله كثيرا شيخ عبد الديه في عليك بطرق الهدى ولا يضرك قله السالكين واياك وطرق الضلال او الضلاله ولا تغتر بكثره الهالكين شيخ الديه حفظه الله de با دو appelle à la الحقيقه avec la clairvoyance, sans que ne soit son habitude d'appeler à Allah, sans prêter attention à ceux qui les contredisent, et ce en raison de la promesse du messager d'Allah, il n'y aura de cesse une partie de ma communauté apparente sur la vérité. Ne leur nuira pas ceux qui les trahissent jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah. Hein? Donc ne vous faites pas avoir par l'appel de, de ceux qui vous disent comme les al del et qui vous disent quoi hein? ah, Vous toujours, to hé, to ça va, c'est bon qu'on ne passe autre chose. Hein? là, C'est ça la voix des, des prophètes et des messagers. Tu es jusqu'au bout. Et quelle belle parole que celle d'Al-Fudayl ibn Ayyad. Quand on lui fasse miséricorde, c'est important de garder ça dans, hein, à l'esprit, dans le cœur. Parce que des fois on un peu seul sur la voie. Qu'est-ce qu'il dit Rahimahullah. Al-Fudayl ibn Ayyad. L'imam, Rahimahullah. Suis les voies de la guidance et que ne te pas que peu de gens l'empruntent et un alékabotorokh le houda voilà un drukokh qui est à tout salikin et prends garde aux voies de l'égarement et un alékabotorokh dala voilà un drukokh qui est à tout Hein, et prends garde aux voies de l'égarement et ne sois pas dupe du grand nombre de perdus Le deuxième ordre du hadith, on a vu que le premier c'était quoi L'ordre de craindre Allah. On a vu c'est quoi la taqwa en détail ma hein Fi On a vu c'était quoi taqwa et en wa et les rangs de la taqwa. Et que l'ordre s'est répété. Des fois avec l'appel aux gens de foi, des fois, fois l'appel aux gens. Y'a amanu, y'a nas. Et on a vu que le détail de ça a été fait dans d'autres versets. Comme le verset.

حفظه الله تعالى الأمر الثاني يتضمن الوصية الثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحها والمعنى أمر المرء المسلم حالما يقترف إثما أو يخطئ خطيئة أن يتبعها بحسنة وهذه الحسنة تمحو تلك السيئة وها هنا لا بد من بيان أمرين الأمر الأول أن السيئات على ضربين السيئات سي با يا اخوة ها هي يعني دي كبائر دي صغائر راه سي الكبائر سي له حكم سي كوا الصغائر سي له حكم في زاوية الحديث اون ان شاء الله دي كبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والعقوق وقطعة الرحم فهذه كبائر سي دي زيكزومبل مي نو سي لا ديفينيسيون الكبيرة ما هو حد الكبيرة حد الكبائر كما ذكره غير واحد من أهل العلم هو كل ذنب ترتب على عليه حد في الدنيا او تعزير او توعد به بغضب او لعن او نار في الاخره والصغائر ما دون ذلك كالنظره المحرمه ومصافحه المراه الاجنبيه من قبل الرجل الاجنبي ليس زوجا ولا محرما الشيخ ترمي ديزون فالكبائر لا بد فيها من توبة التوبة النصوح فهي الحسنة هنا آه الحسنة هنا فأتبعها التوبة وأما أما الصغائر فيكفرها صالح الاعمال من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وي الكور اللي اسمه الركوع اللي اسمه الركوع الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله Cher il dit on traduit ça pour que ce soit pas trop long pour les frères francophones Il dit Le deuxième ordre du hadith c'était quoi? Et fait suivre le péché par une bonne action qui l'efface C'est quoi le sens de cela maintenant? Il a ordonné aux musulmans alayhi salatu lorsqu'ils commettent une erreur ou commettent un péché de les faire suivre par une bonne action. C'est une bonne action, cette bonne action efface ce péché. Il est obligatoire ici de mettre en évidence deux choses. Eh bien la première, que les péchés sont de deux types. Il y a les grands péchés, al-kaba'ir. Hein, ou les majeurs, les péchés majeurs si vous voulez. Comme la fornication. Le vol, boire de l'alcool, désobéir aux parents, ce qu'on appelle hukooq. Couper les liens de parenté. Qati'atur rahim. Ce sont des grands péchés. La définition du grand péché, maintenant, c'est quoi Eh bien, comme l'a dit plus d'un parmi les gens de science, c'est tout péché qui implique un had, une peine légale, dans ce bas-monde. Ou un tazir, punition, tazir, au sujet duquel il y a une menace de colère, d'Allah, ou de malédiction, par exemple la ana, hein, etc. Sakhita ou de l'enfer dans l'au-delà. nar le nar etc. Hein? Ils disent aussi, par exemple, les Saminni, le fait que le prophète s'est Sine de lui. Hein? Ça aussi, ça rentre dans le Kabair. Il y a un livre de Al Kabair qui, qui est très connu, c'est de qui Le même Dhabi, Allah. Hein? Revenez à ce livre-là, inshallah. Il a été publié avec Tahkir, etc. Maintenant, il y a les petits péchés les, péchés, les péchés, si vous voulez, mineurs, en opposition par rapport aux péchés majeurs ou aux grands péchés. Eh bien, c'est ce qui est en dehors de cela, c'est-à-dire en dehors des grands péchés, eh c'est des, des petits péchés. Comme un regard interdit. Serrer la main d'une femme étrangère par un homme qui lui est étranger, ni un époux, ni quelqu'un qui lui est interdit au mariage, c'est-à-dire un mahram. Hein? Il dit, le repentir est obligatoire en ce qui concerne les grands péchés. Le repentir sincère. Et c'est ça la bonne action ici. Tandis que les petits péchés, ils sont effacés par les bonnes actions. Parmi les preuves de cela, la parole du messager d'Allah, dont la traduction relative du sens est, il n'y a pas un musulman pour qui l'heure de la prière prescrite obligatoire arrive. Et qui fait bien ses ablutions, il fait bien ses ablutions pour cette prière. Et se concentre bien dans cette prière. Et s'incline bien dans cette prière. Sans qu'elle ne soit pour lui un effacement des péchés qui ont précédé cette prière, à condition que ce ne soit pas un grand péché. Hein, Jusqu'à la fin du hadith. Ça hein, et vous voyez encore une fois l'importance de venir au cours et d'assister à nos cours sur la description de la prière du prophète. Et je vous ai déjà rapporté la parole de Charles Fawzan Il dit si tu veux savoir ta relation avec Allah, regarde ta prière. Parce qu'elle est le lien entre hein, l'être humain et le Seigneur. Fa'yé, silla Salah, yé, silla tu veux savoir comment Tu veux voir Tu veux euh, jauger Tu veux peser ton lien avec Allah Azza wa Jalla Regarde ta prière. On dirait la salatik. Allah Azza wa Jalla, Chérie, continue en disant, on a presque fini, Inch'Allah. Wal le Wal ou le Afwan أن النبي أو أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نجاهد أنفسنا بيان سيغ لا يمكن مجاهدة النفس سي با غاتوي سي فاسيل ها مونا الجنة بأن نجاهد أنفسنا على فعل محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه ومجانبة مغاضبه ومساخطه فالأول من سبل الجنة وأعظمها كما جديد التوحيد وعظمه, جل, hein? Donc, le shirk, qu'est-ce qu'il dit ici Il dit... Et avec cela, vous savez que les effacements des petits péchés sont conditionnés... Pardon. On a dit quoi Allah, le, le prophète, aïsusse, salam, ici, ce qu'il voulait ici, c'est qu'il nous a ordonné de quoi De lutter contre nous-mêmes. Puis, pour faire les actions aimées et agréées par Allah wa le premier fait partie des voies qui amènent au paradis. Dont la plus importante, on a dit, c'était quoi la voie Tawhid, l'unicité. Et la deuxième fait partie des voies qui amènent à l'enfer. Dans le plus important est quoi Ou la plus importante des voies est quoi ابيان سي لاسوسيسيون الله عز وجل والعياذ بالله شيخ اللي لو تخوازيم الوصيه الثالثه يا فيك سون فيني باسكو سنا في هذا الحديث وخالق الناس بخلق حسن كون كون ان كرو بوزوا ونو ها سو بوا لا هذه المعامله يقولون الانسان مدني بطبعه يعني انه يالف ويؤلف فلا بد له من تبادل المصالح والمنافع مع بني بني جنسه وهذا لابد له من شيء يسوسهم به ويقربه اليهم ويقربهم اليه ولهذا الى هذا الاشاره بقوله صلى الله عليه وسلم الارواح حتى عائشه المعروف رضي الله عنها الارواح جنود مجنده فما تعارف منها تلف وما تناكرا منها اختلف حديث تخي مسلم ده حديث عائشه رضي الله عنها غندخل في زان انستون يدي لو تخوازيم موردريسي الحديث الله اي كومبورتوا انفير لي جون بون مدني بطبعه Il lui est obligatoire de s'échanger des biens et des bénéfices avec ses semblables. Et pour cela, il faut qu'il prenne soin d'eux, avec quelque chose qui va le rapprocher d'eux et vont le rapprocher de lui. Hein, je vois des têtes qui hochent, hein c'est un sujet d'actualité. Hein

Pourquoi Parce que le de Il dit les âmes, le prophète il a dit, les âmes sont des régiments. Celles parmi elles, les âmes qui se reconnaissent mutuellement s'accordent. Elles vont ensemble. Et Celles parmi elles qui s'opposent les unes des autres, aux autres, ne s'accordent pas. C'est un hadith rapporté par un musulman. إنها صحيحة ، انظروا حولكم يقول الشيخ الآن ، يبقى لنا أن نرى ما هي رأينا في العمل الصحيح ما ما قاعدة الخلق الحسن أو المخالقة الحسنة ومنها صدق الحديث وحفظ الأمانة وإنجاز الوعد والوفاء بالعهد وحسن الجوار والبر والصلة وطيب الكلام ورد السلام وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الإسلام قاعدة هذا قوله صلى الله عليه وسلم ومن أحب أن يزحسها في النار عفوا أن يزحسها, يزحسها, عن النار ويدخل الجنة أن حديث كنا خدوي الأصل ستة كنا في حفظه الله فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس Il nous reste à voir, c'est quoi la règle Quelle est la règle du bon comportement Parmi le bon comportement, la véracité dans les paroles. On en a un grand besoin de ça. Préserver les dépôts, tenir les promesses, s'acquitter des pactes, le bon voisinage, l'obéissance. Et le maintien des liens familiaux La bonne parole Rendre les salutations Et d'autres choses encore qui sont connues chez les musulmans La règle de cela C'est la parole du messager d'Allah Celui qui veut être écarté de l'enfer Et être entré au paradis littéralement C'est à dire entrer au paradis Que lorsque sa mort arrive Alors qu'il croit en Allah يعني الصاموغ على غيف كيكون أن الله عز وجل. كي في دوزاني طاويل الله عز وجل. وجور dernier، كي فاس او جون سكي لام كون لي فاس رواه مسلم. قال الشيخ عبد الجابري حفظه الله هذه الجمله هي قاعده المخالقه الحسنه مع بني جنسك يا عبد الله سواء كانوا مسلمين او كانوا من الكفار حتى الكفار نحن مامورون بان لا نتعدى على اموالهم ولا على اعراضهم ولا على نفوسهم سواء كانوا مقيمين بيننا او كنا مقيمين بينهم لانهم في كلتا الحالتين بيننا وبينهم ماذا؟ عهد فالحال الاولى بيننا وبينهم عهد ائمتنا ولاة امورنا فهم معصومون بعهد الاسلام وأما من كنا مقيمين منهم أو بينهم عفوا فهؤلاء قد ائتمنونا ووثقوا منا وينظرون إلى محاسن ديننا كيف لا نعاملهم بها هذا هو المفروض ها <applause> كما قال الشيخ فعل اسماعيل لما زارنا هنا قال كونوا سفراء للاسلام كونوا سفراء سفير امباسادور كونوا سفراء للاسلام الشيخ يغابورتي بل فائده دي وقد كان كثير من البلدان دخل اهلها في الاسلام لما راوا من محاسن الاسلام وحسن تعامل اهله معهم دخلوا في الاسلام افواجا راوا في اهل الاسلام العدل والامانه وحفظ العهد وحسن الجوار وصدق الحديث وغير ذلك من محاسن الاسلام، نعم، وخالق الناس بخلق حسن. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى، إيه الشيخ يرمينا على فاس انت أه؟ وارجو ان تعذروني اذا اختصرت الكلمه لانني ولله الحمد ها أه؟ اتعرض لزكام، ولعلكم سمعتم مني بعض السعال، لكن ما عليكم خوف ما يعديكم ان شاء الله لا تخافوا. بس كل الشيخ في في عبر الهاتف أه؟ Et il fait une petite blague à la fin que je traduirai dans un instant, Inch'Allah. Il dit, La règle de cela est la parole du messager d'Allah, celui qui veut être écarté de l'enfer et entrer au paradis, que lorsque sa mort arrive, eh bien, hein, alors qu'il croit en Allah. C'est-à-dire qu'il le trouve dans un état où il croit en Allah Et au jour dernier et qu'il fasse aux gens ce qu'il aime qu'on lui fasse. Vous attendez la règle ici? Hein qu'il fasse aux gens ce qu'il aime qu'on lui fasse. Hein Rapporté par Muslim. Cette phrase est donc la règle à observer dans le bon comportement avec tes semblables, ô serviteurs d'Allah. Qu'ils soient musulmans ou mécréants. Même les mécréants, il nous a été ordonné de ne pas nous en prendre à leur argent. Où oui sont le par rapport à ça aujourd'hui Ni à leur honneur, ni à leur personne. Qu'ils vivent parmi nous ou que nous vivions parmi eux. Car dans les deux cas, il y a entre eux et nous, quoi hein Un pacte. Le premier cas, il y a entre eux et nous, quoi Le pacte de nos gouverneurs. Ils sont donc protégés par le pacte de l'islam. Tandis que ceux chez qui nous vivons, hein, ça c'est ce qui nous concerne ici, nous sommes résidents, hein, ceux qui nous sommes résidents, mais ceux-là nous ont fait confiance. Ils regardent les biens de notre religion et comment nous nous comportons avec eux en fonction de cela. Il y avait beaucoup de pays qui se sont convertis à l'islam lorsqu'ils ont vu les biens de l'islam et le bon comportement des musulmans avec eux. Ils se sont donc convertis en masse. Ils, vont chez les, ils ont vu chez les musulmans quoi L'équité. L'adl l'intégrité, la probité, le respect des pactes, le bon voisinage, la véracité dans les paroles et dans d'autres et d'autres encore parmi les bienfaits de l'islam et comporte-toi bien envers les gens hein, et comporte-toi avec les gens envers, envers les gens pardon avec un bon comportement. Et cher il dit et c'est ce qu'Allah nous a facilité. Et il dit je, je m'excuse, si j'ai fait de manière résumée ce cours